Eh bien, rebonjour à toutes, rebonjour à tous. On est reparti, on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec nos copains là-bas. Alors, si on regarde bien, tout le monde est dormant. Ils dorment tous. Ça dort. D'accord, sauf le mortier automatique qui, normalement, s'amorce en 20 heures. Et qui nous dit qu'il va tirer dans 120 secondes. Alors, on a des portées minimum, comme vous voyez. Donc, si on vient se taper ici, dans cet endroit-ci, ici et ici, non, ici, donc tout ça, là, on ne peut pas être touché par la tourelle blaster. Celui-là, il ne nous touchera pas, il a un grand angle. Enfin, il ne nous touchera pas, il va toucher la base. Hein. Par contre, ceux-là, ils n'ont pas. Ils n'ont absolument pas de truc. Alors, on a un piquier et deux autres qui tirent avec des lance-charges. Il faut faire attention, ça fait très mal, un lance-charge. Un lance-charge normal... Tire, bon, il n'a pas une très bonne vision proche, mais enfin, il tire quand même bien, mais il te stun et il fait 32 dégâts. 32 dégâts, il te tue, s'il te touche. Hein? Parce qu'une personne normale, en santé, bon, on va regarder hein, s'il n'y en a pas un qui est... Voilà, par exemple, jambe gauche, vous avez 30 points. S'il me tire dans la jambe... que j'ai pas d'armure et qui passe l'armure tout simplement, il n'y a plus de jambe. Elle est button la jambe. 30 points. Hein. Je vous parle pas dans la tête. Hein. Le torse, ben, c'est 30 points aussi, je suppose. Non, c'est 40 points. Mais à l'intérieur du torse, il y a le poumon. Donc là, il vous détruit un poumon. D'office, le lance-charge. Oui, c'est la même chose ici. Donc. Continue, là, dans le bras, bah, il perd aussi un bras, hein, c'est 30 points. Donc c'est ça qu'il faut faire attention, c'est quand il vous tire dessus. Donc qu'est-ce qu'on va essayer de tenter? Je dis bien essayer de tenter. C'est que nous avons quand même Maker. Nous avons 13 composants, et nous allons devoir faire quelque chose. Si on avait pu seulement avoir un marchand, malheureusement, hein, on sait bien qu'on ne peut pas en avoir. Quand je regarde que Slan les refuse, il dit j'ai rien à voir en doigt. On n'en a pas encore eu un seul, hein, je vous signale depuis, je crois, à moins que je me trompe, mais on n'a pas eu un seul à partir de la console de communication. Et tout ce qu'on a eu, en tout et pour tout, je crois que c'est un groupe de deux. Et une seule caravane chez qui on a pu acheter un petit peu de plastacier et du bois, mais qui n'avait pas de composants. Voilà, une caravane à pied, quoi. Avec des ours polaires, bah oui, c'est juste. Ok. Bon. Trêve de plaisanterie. Monsieur Grizzly, vous avez du manteau en tissu normal forcé. Vous allez me prendre ceci. Quand vous avez fini de miner votre ardoise. Ça, c'est dans quel état, ça? La guenille ici est normale aussi, et donc vous allez vous prendre une guenille excellente, mon ami. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se créer. Architecte, production. On va se créer un établi. Forcément, faudra. Hein. Je voulais pas le faire parce qu'il coûte 5 composants. Vous voyez? Et les composants, c'est vraiment ce qu'on a de trop. Ah, vous savez bien ça. On en a beaucoup de trop. Ensuite, on va prendre la chaise qui est ici. Ouais, excellente, parfait. On va l'installer ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, tant que j'y suis. Grande à 1, métal bon. Est-ce qu'on a une autre bonne chaise? C'est tout du bon, du normal. Là, comme je disais, c'est pas important d'avoir une bonne chaise quand vous êtes à table. À moins que les gens viennent passer leur temps à discuter. Hein. D'ailleurs, il faut que je fasse ceci.
vérification d'ici qu'il n'y a pas, ok. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est ça. Première chose à faire, libellule, tu fonces là-bas, tu vas pas jouer aux échecs maintenant, tu vas me faire ça. Vache, je sais pas ce que tu me fais, tu contemples une œuvre d'art, ensuite tu vas me faire ça. Alors, on va tester ça. 80%. Mais comme on a récolté, on va l'essayer. Hop, on lance à 80%. Et on va demander à M. Grizzly d'y aller. T'enfiles, et après tout ça, ben, tu me feras ça, mec. Voilà. On va également lancer tout ça. On va également... Je m'excuse, hein, je coupe le jus pour le moment, mais... Enfin, je ne fais pas de... Voilà. Il va me falloir un mur. Je vais doubler ce mur ici. Sauf l'endroit pour passer, bien entendu. Ça, c'est fait. Donc, comme ça, on aura un beau petit sas ici, bien pépère. Ça sera coupé, on s'en fout. Il me faudra également architecte ordre. Et on va aplanir les surfaces qui seront ici dedans. Ouais, et tout ça. Tout ça, je suis sûr que ça va marcher. Ok. Ok, donc on va sans doute se prendre le temps que ceci se fasse et que Maker arrive à me faire un lanceur de fumigène. C'est ça que je veux avoir, un lanceur de fumigène. Libellule. Ok, tu transportes, c'est bien. Donc je veux un lanceur de fumigène pour que je ne puisse pas me faire toucher par les... En tout cas, pour que les tourelles ne puissent pas me toucher, tirer, tout simplement. Elles ne pourront pas tirer. Mais, alors, ici, c'est ça qui m'importe. Oui, ça marche. On a récupéré un. De toute façon, c'est le maximum qu'on peut récupérer. Donc, on peut automatiquement, maintenant, on sait dans tous les cas qu'on peut récolter à 80. Et peut-être encore avant. Peut-être encore avant. Grizzly, tu iras manger après. Tu vas me faire ça. Donc 80%, on gagne 20% sur le temps de pousse. Hein. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Or l'autre, on a le temps, je crois, hein, quand même. 120 secondes, 18 heures. Ah ouais, d'accord. Donc il tirerait toutes les 120 secondes, mais il démarrera que dans 18 heures. Ok, Maker, t'es où? Hop, stop. Ici. Établi d'assemblage. Ajouter une tâche. Je souhaiterais avoir, cher ami, un lanceur de fumigène. Malheureusement, ça coûte 4 composants, cette saloperie-là. Alors, vous avez vu le patch aussi. On voit maintenant le petit truc, le petit bidule. Avant, on ne le voyait pas, c'était tout noir partout. Ok, il m'en faut un. S'il te plaît, Maker, viens me faire ceci. Faut dire aussi qu'on n'a pas eu trop de chance dans les armes jusque maintenant, dans les raids. Parce que la plupart des raids qu'on a eu, c'était des raids avec des massues. Ce qui était un petit peu fou, je veux dire. Ça, c'est une chaise comment? Excellente. Toi, t'es une chaise comment, Jean? Chaise en métal, bon. D'accord. On va la désinstaller. On va désinstaller ça. Jean, tu vas t'en occuper, d'ailleurs. Donc, tu vas le faire, parce que sinon, Grizzly ne saura pas le faire. Voilà, stop. Celle-ci, on va la mettre ici. Dans le bon sens, de préférence. Voilà. Et c'est Jean qui va s'en occuper. Parce que tant que votre personnage n'est pas là,
Vous pourrez, ça marche pas, on peut pas récupérer la chaise. On va la mettre ici en attendant. Je rebougerai quand j'aurai besoin. Mais normalement, ça, on ne devrait plus en avoir besoin si je meurs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc ici? Glaive, épée longue. Quoi? Harpe, clavecin, hache, marteau de guerre. Ouais, on peut pas faire les armes de mêlée. Donc je suis obligé de le garder. Par contre, je vais le... On va le désactiver. Pas la peine de le garder. Alors là, on en a pour un bon bout de temps. Ouais, ça c'est très lent. Alors que mon mec, il est... Enfin, mes cœurs, il est quand même avec un... 1669, quoi. Je crois qu'on pourrait peut-être augmenter la vitesse. Hein, voilà. Alors, on va regarder ici qui est-ce qui a 19 jours. Allez, hop, toi avec. Donc, ce que je fais ici, je ne les autorise que quand ils ont un nombre de jours. Je ne vais pas autoriser, par exemple, ceux qui sont, voilà, 24 jours. Ah, lui aussi, on va l'autoriser, 19. 24, tu vois, là. 33, je ne vais pas les autoriser maintenant. Je vais autoriser que les... Voilà, 19 jours. Ce qui me permet un peu de les pousser à prendre ce qui est le plus dangereux pour nous, qu'on ne veut pas perdre, quoi, tout simplement. Ouais, là, ça... Alors, Master, tu restes là, mon gars. Ça, je suis désolé pour toi, mon vieux, mais... T'es là pour un bon bout de temps. Si on pouvait seulement avoir une petite caravane qui viendrait par ici, ou même un petit raid, ben, ça ne me dérange pas, moi, qui viendrait dans ce coin-ci, et puis qui rentrerait dedans. Parce que ça me ferait vraiment plaisir qu'on les réveille. Alors, je crois qu'avec le nouveau patch, en plus, ils vont pas quitter la zone. Donc, vous pouvez leur tirer dessus, ils vont se réveiller, et puis ils vont rester aux alentours. Ils vont pas venir se péter les pattes dans mes pièges. Et donc, ça sert à rien de les réveiller. Le meilleur moyen, c'est de se mettre à côté de chacun d'eux. Tu mets un mêlé à côté de chacun. Voilà. Le seul problème, c'est que le jeu m'a donné des gens qui résistent à 29 degrés alors qu'il fait 53 degrés dehors. Ben bon. Alors, on n'a que ça à faire. Hein. De toute façon, je vais devoir envoyer mes mecs. Mais en plus, bon, j'ai pas du tout envie que l'Inferno et le Blaster me tirent dessus, quoi. Ni les petites saloperies, là. Parce que ça fait mal aussi, hein, ces petits trucs-là. Ne rêvez pas, hein, ça fait 12 points de dégâts, mais ça tire une rafale, hein, si je me rappelle ça. Non, non. 5 portée, proche 80%, hein, quand même. Cadence de tir 5, disons, ça va encore plus ou moins. C'est pas des trop mauvaises. Mais bon, écoutez, nos gens qui sont ici, ils vont servir de cible. J'ai pas d'autre choix. Hein. Stop. Fumigène. Le fumigène est fait. Nice. Nice. Bon, on va un petit peu réfléchir maintenant. Alors, libellule. Je vais plutôt te mettre... Hein. Je vais te faire attirer un petit peu ces saloperies-là. Pendant que nous, on s'occupe des autres. Donc, libellule, si je te positionne, t'as quand même une bonne petite distance. Hein. Donc, si je viens te positionner dans ce coin-ci, par exemple, waouh, checker un peu tout ça. Notre galerie est en retard. Ouais, on a déjà le coup de chaleur, bien entendu, Anastasie et galerie.
Allez, Galerie, bouge ton derrière. Je sais que t'es pas bien. Mais bon, c'est comme ça. Alors, c'est-à-dire, tu viens là. Toi. Galerie, tu viens là. Vache, tu es là. Ok. Montre-moi un peu ça. Là, là. Donc, vache, mais plutôt ici, derrière. D'équerre. Aïe. Bon, comment vous êtes, mes petits gars? Ayo. Toi, tac, tac, tac. Ok. Il m'en manque un. Allez, mademoiselle, on bouge son derrière, s'il vous plaît. On fonce. On se dépêche beaucoup plus vite que ça. Là. Mademoiselle Libellule, est-ce que vous pouvez tirer ou pas? Vous pouvez tirer sans aucun problème. Sur un truc comme ceci, ça c'est un lancier et ça c'est un faucheur normalement. Ok, dès que l'autre sera arrivé, on pourra s'y mettre. Allez, galerie, bouge ton derrière. On bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Bouge un peu plus sur le côté, je veux que tu sois hyper protégé. Alors toi, tu vas, après, tu vas tirer ici. Ici dessus. Ok. C'est possible que j'ai même. Mais je crois qu'ils vont devoir se réveiller. Hein. Donc, on va la laisser faire. Ouais, tirez là-dessus. Vous, messieurs, tous, en même temps, vous m'écrasez ce truc que j'aime pas. Et toi, tu me butes celui-ci. Allez, on y va. Ok. Libellule, mette-moi ça. Ah, on a déjà des cramés. Pourquoi cette saloperie m'a tiré dessus? Donc toi, t'es brûlé. Ça, c'est Galaria. Ok. Toi, tu as une blessure par balle de mini-projectile. Ok. Donc, toi, ma chérie, tu tires pour le moment. Ok.
Non, mais je veux que tu viennes par ici alors. Tire dans la tête. Ça fait mal, un tir dans la tête. Œil droit détruit. La tourelle blaster. Tourelle blaster, elle peut encore tirer? Ouais. Elle n'est pas vraiment dans. Pas assez ici dedans. Ok, viens ici, mon petit. Becker, t'es ok. Toi, tu butes quoi? Tu butes ça? Toi. D'abord le faucheur. Mini projectile, maillot. Bute-moi cette saloperie-là. Même buter ça aussi. Les balules. On va plutôt prendre les toits. Je viens de buter ça et toi avec. Toi, tu vas me buter celui-là et toi, tu me butes celui-là aussi. Stop, on se tire. La plupart des saloperies sont mortes. Maintenant, nous, on est aussi à peu près morts. Moi aussi, je suis à peu près mort. Comment t'es? T'as perdu ton œil. T'as perdu ton bras. C'est incroyable, ça. Un tir, hein? Pas deux, hein? Un seul. Hein? Toi. J'ai une cicatrice. Aïe. Ça, on s'en fout, toi. Et toi. Bon. Comment vais-je arranger cette histoire? Eh bien, je n'ai pas beaucoup d'autre choix que de venir avec toi. Venir avec toi
les autres vont bouger leur derrière. Toi, ma belle, tu vas tirer ici dessus. Voilà. Toi, tu viens te cacher là. Bam, tu viens te cacher ici. Becker. Tu viens par là. Grace dit, mais t'es encore vivant, tu viens par là. Libellule, tu continues. Ok. Toi, tu tires sur qui? Toi, tu tires sur Anastasia. Toi, tu tires sur Anastasia aussi. Toi, tu peux pas tirer. Si tu tires sur, sans doute, Libellule. Libellule. Tu tires sur le lancier. Ok. Vache, tu tires là-bas. Ok. Je pense que maintenant, Dan, tu peux venir me buter ce truc avec Halo. Ensuite, Grizzly. Tu vas venir attaquer ça et Dekeros, non. Et tout le monde va attaquer ça. Ok. Toi, tu viens attaquer ce truc ici. Bam. Ok. Toi, tu attaques Decker. Toi, tu attaques Anastasia. Ok. Toi, t'es mort. Non, c'est pas encore. Il n'y en a plus qu'un. Hein? Non, il n'y en a plus. Je crois que c'est fini. Je crois que c'est fini. Et toi, tu attaques ça. Toi, tu attaques ça. Toi, tu attaques ça. Ok. Alors, qui est-ce qui est en mauvais état? Œil et mâchoire. Bon, la mâchoire, c'est rien. L'œil, ça me... Bah, t'auras une prothèse quand on aura la possibilité. Et c'est qui, ça? C'est Decker. Donc ça va, c'est pas trop grave. Decker, oui. On va faire les trucs les uns avec après les autres. Decker, tu rentres. Et tu prends ça avec toi. Ok, Dan, 6 heures. Cran. Ok, donc toi aussi, tu vas stopper. Et tu vas prendre ce truc-là avec toi. Bam. Voilà. Toi, ma belle, tu continues à asperger là. Ok. Allô, tu es dans quel état? Allô, t'es mort dans 10 heures. Ok, tu vas stopper. Tu vas prendre ça avec toi. Ok, on priorise. C'est fait. Tous les autres, toi. Tout le corps, insolation, etc. Mais tu peux prendre personne avec toi. Donc, on va commencer par buter cette saloperie-là. Tu vas venir ici. Et toi,
Bon, dans 15 heures, on va aussi te faire buter celui-là. Ok. Tu tires sur zone, c'est bon. Ok. La libellule, tu vas rentrer à la maison. Parce qu'on a besoin de toi. Toi, Grizzly, tu vas me prendre ce truc avec toi. Ouais, t'es pas mort, hein? Bon. Tu me prends ce truc-là avec toi. Ok, vous autres, vous avez fini ça. Lequel des deux qui est le plus moche? 15 heures. Toi, t'es à l'aise. Ok. Bon, bah, tous les deux, vous allez venir ici. Toi, ma belle, bah, tu vas rentrer. Tu vas récupérer avec toi tu vas prendre quoi avec toi? Il n'y a plus rien là. Tu viens ici. Ok. Et vous deux, vous me butez ce truc. Stop. Vous deux, vous me butez ce truc, mais vous reculez vite fait, bien fait. Par là, parce que par là, c'est encore pas assez rapide. Vous voyez, là, j'ai une vitesse de déplacement de 52%. Et par là, je suis à 72%. Donc, on va éteindre le feu, là, tiens, zone. Voilà. Bouge, Anastasie. Bouge. Pfou, c'est juste. Alors, on a une nouvelle petite icône verte, je vois là. Ah ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire en train de cuire, non. Non, non. Ah, le chauffe, t'es quand même un sacré Don Juan, quoi. C'est pas possible, quoi. A vaincu une ruche mécanoïde. Ok. Et toi, t'es transhumaniste heureux. Parce qu'on t'a foutu un dispositif dissolvant post-mortem, d'accord. Donc le jour où tu meurs, tu dissous. C'est sympa. Ok. Vache. Tu combats le feu, et après tu vas me ramener plein de trucs. Dont le plastacier. Ok, donc vous deux, vous rentrez à la maison. Tout le monde rentre. Eh ben, dites donc, c'était pas évident, je vais dire. Je l'ai peut-être pas pris de la meilleure manière. Parce que j'ai quand même pas mal de blessés, et blessés graves, hein, en plus, je veux dire, perdre un œil. Mais bon, on n'a pas beaucoup de... J'ai pas de mortier, j'ai pas de composants, là, je suis... Quatre composants qui nous restent. Bon, on va aller à la chasse aux composants, alors, hein, on va aller les pêcher comme fait Slan, mais bon, j'aurais préféré... En 2 ans et demi, j'aurais quand même pu avoir une saloperie de... J'aurais enfin pu avoir un... Je sais pas. J'aurais pu avoir quand même un vaisseau spatial, quoi, c'est... Bon. Et ça, dans 12 jours. Ok. Là, il y en a un. Ok. C'est quoi, c'est du lait, hein. Bon, ben, on va soigner un petit peu tous ces gens-là. Alors là, on a un lit qui appartient à Galerie. On a un lit qui appartient à personne. Médical. Ouais.
Eh bien, on va faire ça, hein. On va laisser la porte ouverte ici. Et les libellules, ben, tu fais ce que tu veux. Voilà, tu vas soigner tout ce petit personnel-là. Et je pense qu'on va avoir besoin de... Alors, Grizzly, t'en es comment? Bras droit, blessure par balle. Donc, toi, tu peux rester en normal. Bien que ça m'embête, parce que tu perds ta manipulation, j'ai besoin de toi pour creuser, bien entendu, pour miner. Et il me reste 23. Allez, hop, tout le monde passe à ça. Decker, t'as perdu ton œil. Mais t'as la mâchoire, ça, on s'en fout. Ça, on peut te la changer. Donc, tu restes comme ça. Ça. Perte de sang mineur, t'as perdu un bras aussi. Pouah. La vache, quoi. C'est un tir, hein. Un tir. Boum. Ouais, qu'est-ce que tu veux quand t'as pas d'armure? Quand t'as pas d'armure, c'est le cas. Ensuite, nous avons... Lui, il s'est pris beaucoup de tirs. Mais les mini-projectiles font beaucoup moins mal. T'as perdu un poumon. Je crois qu'on a un poumon. Torse, clavicule. Bon, allez, toi, tu... Hop, voilà. Ça, il faut pas rêver, quoi. Vous autres, les petits jeunes, là. Ben, vous autres, vous restez comme ça. Et toi, ok. Eh ben, dites donc, bon, eux, vous allez vous être soignés comme vous devez être soignés, quoi. Hein? Galarit, t'as l'air d'avoir un gros problème, toi, hein. 14 heures, t'as une insolation mineure. Est-ce que t'as encore du bidule sur toi? Non, t'en as plus, hein. Donc... Decker. Libellule. Libellule, viens à peu près des médicaments, ma belle. Je pense que tu vas en avoir besoin. Ok. En voilà un. Ensuite, vache, tu es où? Vache, tu vas aller soigner Grizzly. Dan, t'es dans quel état? 4 heures. Non, non. Vache. Swandine. Donc on a toi 17 heures, toi 4 heures. Grizzly, pas de danger. Anastasia, pas de danger. Dan, t'as juste un bras en moins, hein, c'est ça, hein. Ouais, donc on sait rien y faire, hein. Ton bras, il est perdu, il est perdu. On va te suturer tout ça, et puis c'est bon, quoi. Alors l'autre, est-ce qu'il est dans les vapes? Allô, il est là. Allô, t'as 7 heures, toi. Galarie, toi, t'avances plus du tout. 25%. 13 heures. Il y en a plus d'eau qui traîne, hein. Ouais, c'était, on va dire, plus que délicat, hein, cette histoire.
Alors, qui est-ce qui est occupé de dormir? Toi, tu vas venir nettoyer tout ce bordel-là. Ok. Ensuite, tu vas venir nettoyer tout ça ici. Pompeia, t'en as rien à cirer, hein, c'est ça? Les bellules, tu soignes le chauve, tu peux pas nettoyer, bien sûr. Ok, toi t'es soigné, vache. Tu vas certainement pas te reposer, ma belle. Tu vas aller soigner celui-ci. Ok, toi. Non, où est-ce qu'il est l'autre? Allô est là. Et l'autre est toujours là-bas. À mon avis, il ne va pas tenir longtemps comme ça. Allez, allô, bouge-toi. On se dépêche, allô. 6 heures, ça va. Les colons ont besoin d'aide. J'en étais sûr. Au moins, on va récupérer ta hache. C'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qui va s'occuper de toi? On a Libellule, on a Vache, Jean. Viens secourir la personne qui est là-bas, s'il te plaît. Eh ben, ouais. Moi, ils n'auront pas trop chaud. C'est déjà ça. Il fait combien dehors? 65. Ok, on est bon partout. Donc, Vache est occupée. Libellule, stop. Libellule, tu ne me fais pas ça. Tu viens soigner Grizzly maintenant. Ensuite, Maker, tu viens nettoyer le pieu. Et après, on passe sur Allô, j'ai vraiment pas envie de perdre Allô. Bon, Allô, tu largues ton bidule. Tu vas pas aller mettre ça là-bas au fond. Ok, Allô. Il est où ton pieu? Il est où ton pieu, Allô? Il est ici. Ok, on te laisse faire. Ça veut dire qu'il te reste combien de temps, mon ami? 5 heures. 6 heures. Ok. Non, non, Maker, t'as pas fini ta journée, mon petit gars, je peux te le dire. Bon, stop. Allô, c'est un bras en moins, hein, c'est ça que t'as? Non, pas un bras en moins, c'est une grande souffrance. Et plus de mouvement, t'as plus de jambes, quoi. Pouah, vache, les gars. Et ils étaient pas énormes, hein, mais bon, ils étaient tous ensemble, quoi. C'était une grosse saloperie, ça, c'est tout à fait vrai.
Ok. Bon, libellule, tu vas venir ici. C'est libellule ou vache? Vache, elle est où, vache? Ok, vache, elle est là. Ok. C'est vache qui va s'occuper de ça. Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour toi, mon petit? Déjà te soigner. Ensuite, épaule gauche, clavicule gauche, jambe gauche. Toi aussi, il te faudra, à mon avis, un poumon droit est détruit. D'accord. Et voilà, beaucoup de choses à faire. Donc, c'est Vache qui va s'occuper de tout ça. Je crois que Jean est parti aussi ramener l'autre là, ok. Ah ben, allez, donc. C'était pas des plus faciles, hein. Ok. Bon, là on est rentré. Grizzly, est-ce que tu as été bien soigné, mon petit? Tu es extrêmement bien soigné. Toi, t'es en route. Toi, tu es. Tu étais soigné. Allô, t'es occupé. D'équerre, t'as une mâchoire. Et tu étais hyper mal soigné. 13%. On va te changer ça aussi. Enfin, 4.3, ça va. Grizzly, c'est fait. Libellule, c'est bon. Et le chauve, c'est bon. Ok. Donc, on n'a plus qu'un petit soin et puis c'est tranquille, quoi. Maker, t'aurais pu me faire ça. Mais Maker, est-ce que tu es bon en. Maker, est-ce que tu es bon en médecine? Voilà. Non. Si je regarde ici, la médecine. On va regarder. Des opérations, opérer un humain. C'est pas comme ça qu'on regarde. On va aller checker ça dans Numbers, c'est le plus facile. Preset. Il y a un preset avec médical. Voilà. Alors, médical. Chance de réussite. Un premier réussi lorsqu'il tente une opération chirurgicale. Eh ben, j'ai pas énorme, hein, j'ai 88 là. Mais on va te changer le poumon, hein, quand même, parce que c'est pas comme de l'asthme, hein, c'est pire que l'asthme ici. Bon, alors j'ai plus personne pour nettoyer, donc on va mettre au lieu d'Allo, on va mettre Dan en nettoyage, hein, cette fois-ci. Parce que là, on s'est bien fait rentrer dedans. Dan, tu vas me faire du nettoyage, mon gars. Le reste, on verra après.
Ok. Donc, ça t'attend, toi t'es inactif. S'en fout. Colomb a besoin de soins. Ses galeries, c'est occupé avec. Voilà, je crois que c'est bon. Decker, tu restes au pieu, mec. Tu vas manger? Decker, t'es comment? Oui, tu ne sauras pas faire grand-chose d'autre de toute façon. Ils vont pas être contents de te voir dans l'état où tu es, Decker, je lui dis tout de suite. Quand tu n'as plus de mâchoire, vous allez voir un petit peu ici quand il va parler avec quelqu'un. Voilà, non? Comme il dort, ça va. Me demande si on peut le voir. Donc, Decker. Défiguré, moins 15, tu vois, clac, dans le nez. Bon. Eh ben, dites donc. Il faut encore tenir 4 jours. Donc, on risque encore d'avoir une attaque. Avec tous mes gens qui sont complètement anéantis, ça va pas être facile. Et j'ai toujours pas assez, de toute façon, faire une prothèse, ça coûte aussi du fric, hein. Ça coûte aussi du fric, et comme je n'y ai plus, Grizzly, c'est Grizzly. Au bras, bien entendu, c'était sûr et certain que le bras allait me foutre dedans. Allez, un petit commerçant, s'il vous plaît. Un petit commerçant, j'ai des milliers de pognons d'euros là à vous donner. Des milliers d'euros à vous donner. Mais ça, on va pas compter dessus, hein? Decker totalement guéri, ça fait du bien. Anastasia a toujours un pieu, Pompeyana. Grizzly est complètement guéri. Sans séquelles. Si, une séquelle. Si, une séquelle. Plus de 96%, mais ça suffira. Ça suffira. Allô? C'est comment? Alors, allô, conscience 1%. Je crois que si on tombe en dessous de zéro, on est mort. Ah ben non, mais ça va, on lui a remplacé son poumon. Ok. Eh ben allez, donc, il y a encore un ennemi qui va se prendre un poumon dans le nez, je crois, bientôt. Alors, j'ai combien de ces trucs-là? 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça ferait normalement 9 composants. Alors, pour les composants, il me faut une table pour les décomposer. Et c'est pas ici, je ne crois pas qu'on puisse le faire. Hein. Alors, soit c'est la forge, mais je crois pas. C'est peut-être bien la forge. La forge, tu me demandes combien? La fonderie, deux composants. Et ça n'enlève que, normalement, bah, je ne sais plus comment on fait. Alors, soit c'est ça, soit c'est la table d'assemblage. Non, pas l'établi d'assemblage. C'est peut-être bien. J'en suis plus certain. Assemblage de composants, atelier de fabrication.
C'est ça que j'ai besoin. Alors ça, il te faut le multi-analyseur pour ça. Et multi-analyseur, ben, il faut beaucoup de composants pour le multi-analyseur. Dan, ok. Mastasia, t'es guéri. Ah, tiens. Bon, on va se préparer un petit voyage. J'ai pas le choix, je peux plus attendre. Maintenant, c'est devenu beaucoup trop difficile pour moi. Quatre composants. On va faire comme notre ami Stan, on va aller en récolter. Parce que ici, j'en vois pas. Bon, il y en a hein, quelque part, hein, mais. Ouh. J'aime pas trop ouvrir, moi, la map. Mettre d'autres colonies, c'est pas trop mon truc. Mais là, sans ça, j'ai pas le choix. Hein. Bon, écoutez, on a eu assez d'émotions aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Bye.